L'humanité se dématérialise de plus en plus. C'est peut-être un problème. Je ne pense pas que l'art y puisse grand-chose. Dans l'acte créatif, j'essaie de me déconnecter au maximum du contexte historique, d'être vierge. Je voudrais juste sentir la vibration essentielle des matériaux. Quand j'étais en contact pour la première fois avec la lac, ce fut comme une évidence, comme si la lac m'avait choisi. La connexion avec la matière a commencé quand j'étais juste enfant. Mon enfance a été marquée par un grave accident. Je fus renversé par une moto. Après une longue période de convalescence, j'étais dans mon monde, dans un coin déconnecté. Un enfant extrêmement rebelle. J'ai senti très tôt l'importance de mes mains. Le toucher pour moi est pratiquement une façon de voir. Arrivé à l'âge adulte, j'ai travaillé longtemps en tant que restaurateur de lacs et de meubles anciens. C'est à ce moment que je fus en contact pour la première fois avec les lacs asiatiques. Je devais absolument percer le mystère de la laque asiatique. Chongqing est une ville vivant à un rythme frénétique, construite en strates à flanc de montagne. Une ville en perpétuelle mutation. Une ville ayant été pratiquement rasée de la carte pendant la guerre sino-japonaise. Je vis là depuis 11 ans maintenant, afin de poursuivre mes recherches et la production de mon art. Ce n'est pas en métro que l'on peut accéder aux arts. Il faut aller dans les endroits les plus reculés de la province. On peut tout acheter sur internet en Chine, même la laque. Mais pour ma part, j'ai besoin d'aller à la source, de voir les arbres à laque et les fermiers qui la récoltent. La laque est un puissant allergène. C'est une défense naturelle pour les arbres. Traditionnellement, on dit qu'il faut affronter 7 grandes réactions allergiques afin de s'immuniser. Quand j'utilise la laque pour mes œuvres, je pense souvent à eux, leur vie, leur maison, la forêt. Je dois sentir intimement d'où la laque vient. Je suis
siècle. Mon travail, c'est un peu comme créer des fossiles. Je pétrifie le sac de riz avec de nombreuses couches, je stratifie. Stratification, érosion. Je ponce cette matière avec de petites pierres, en suivant les vallées et les collines. Et un peu comme une rivière qui lentement polie les galets dans son lit. Parfois c'est trop dur, c'est un peu comme une randonnée quand on atteint ses propres limites physiques. Puis on pénètre dans une autre dimension, on accède au flow. Puis c'est un peu comme jouer de la musique, on travaille un instrument afin d'en faire sa propre voix. Et là, peut-être, mon corps se bloque. Notre corps a ses limites, dans mon cas, double hernie discale. Un jour, j'aimerais amener un fermier récoltant de lacs à une de mes expositions. Sa réaction serait probablement « Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ?» Il pourrait peut-être sentir la difficulté. Il se demanderait pourquoi dépenser tant de ressources et d'énergie pour ces choses-là. Ce que je fais est-il utile ? Que puis-je faire d'autre ? Je ne m'adapte nulle part ailleurs. C'est pour sûr utile dans ma propre vie. Dans mon propre atelier, je suis à ma place. Quand les œufs finalement sont là, accrochés, éclairés, c'est leur véritable mise au monde. Elles commencent leur vie propre. Elles ne m'appartiennent plus, ne m'intéressent plus. Je suis déjà ailleurs.